Salut à tous, avec un peu de plaisir. Moi, retrouvez-nous encore aujourd'hui pour page météo. Nous avons conditions qui réellement sec au niveau pays par rapport à la situation météo. Donc, nous voyons qui gens ça a évolué dans le jour qui est venu là. Toujours, c'est une zone de haute pression qu'on y a qui même dominé par un dorsal. Donc, un dorsal, c'est une crête de haute pression qui est agile au niveau de toute région Caraïbes là et même au niveau Atlantique là. Ça permet à ce que toute zone là reste dans une masse d'air sec stable. Avec vent qui soufflait et puis paralysait tout, activité la mer que nous parlons tout à l'heure. Donc, Haïti, je dis, a toujours été en bas dominance dans ça, côté activité la pluie réduit totalement et va continuer à souffler avec un ciel totalement dégagé. Poussière en pile au niveau masse d'air, donc ça permet à ce que nous besoin prendre en pile précaution par rapport à ça pour protéger santé avec période ça. Support pour ça avec les gens qui sont côté de l'océan, croyez un ciel totalement dégagé avec vent qui souffle toujours de manière modérée. Température maximale varie entre 30 et 33, minimale à 18 et 20. Pas de chance encore pour la pluie t'a touché. Pour vous avec les gens avoisinant pour aujourd'hui. Dans la page maritime, au niveau de côte nord, golfe de la Gonave et puis côte sud pays, c'est toujours des vagues très hautes jusqu'à 11 pieds. Que situation ça a généré, donc n'a pas de capitaine pour très prudent les ap naviguer au niveau côte pour aujourd'hui. Et pour nous finir dans la page astronomique, le soleil dans l'heure, il a couché aujourd'hui à 5h52 et il a pleuvé demain matin à 6h16 au niveau Port-au-Prince. C'est un réel plaisir pour nous d'être ensemble pour l'information. Merci pour attention nous. Bon après-midi et excellente soirée. Merci Nicole. Nous sommes dans le grand studio. Président République, là, Jovenel Moïse, recevoir aujourd'hui à dans le Palais National, prix Nobel littérature, hein, qui c'est Nigérien Wole Soyinka. Auteur a visité pays d'Haïti actuellement dans le cadre d'activité culturelle qui portait nom rencontre d'ici et d'ailleurs. Il y a un événement qui visait faire promotion pour diversité culturelle. N'a invité nous suivre un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duverny. C'est une cérémonie pour souhaiter prix Nobel littérature bienvenue dans le pays a côté président Jovenel Moïse déclaré Wole Soyinka ambassadeur bonne volonté et puis décoré à l'ordre national honneur à mérite grade commandeur chef l'état fait connait Haïti première république nègre indépendant partagé fierté continent africain tiré dans prix Nobel nigérien cher Wole Soyinka. La juste reconnaissance de votre travail depuis des décennies sur le plan international est pour nous noirs de partout un événement fondateur. Nous l'associons à la légende de la fondation de notre nation haïtienne. Ce peuple qui vous accueille aujourd'hui est fier d'avoir osé l'acte impensable au début du 19e siècle en renversant le joug de l'esclavage pour bâtir une république libre et souveraine, deuxième État indépendant du Nouveau Monde. Haïti sait se reconnaître. Monsieur Soyinka, à travers les gouverneurs de la Rosée, à travers les faiseurs du monde, à travers les défenseurs des peuples noirs, vous êtes un de nos héros. Il est pour moi un immense privilège de vous transmettre tout le respect et toute l'affection du peuple haïtien. À titre personnel, moi aussi, je partage ce sentiment. Je n'ai pas l'intention de commenter ou d'interpréter votre œuvre par devant cette assistance composé de grands initiés de littérature, je suis toutefois profondément marqué par la dimension que vous proposez à l'homme africain. Vous insistez sur la grandeur et la dignité de l'Afrique en allant puiser dans un modèle de société que nos ancêtres avaient déjà expérimenté. Votre respect de l'histoire et des traditions africaines ne vous a jamais empêché de rêver de démocratie et de modernité pour les peuples noirs du monde. Nous avons aujourd'hui besoin de votre sagesse,
de votre pensée pour nous reconstruire particulièrement, nous, diaspora africaine des Amériques. Vous êtes sincère et authentique. Les générations de Noirs actuelles et futures seront s'inspirer de votre enseignement dans les pires moments de notre histoire ainsi que dans nos malheurs. Vous avez donné de la voix pour défendre la dignité et la grandeur de notre pays. Nous sommes fiers de vous. Ole Soyinka, c'est le premier monde noir africain qui arrive dans le niveau qualification littéraire. Ça. Pour semaine, ça, il prévoit visiter diverses zones dans le pays, tant que au Kay et au Cap Haïtien. Prix Nobel littérature qui débarquait en Haïti avec lui, plusieurs gros têtes dans le secteur culturel là, dit lui content, accueil, action, affection, lui joignent pendant présence li en Haïti. Just before we came here, my host here will bear witness, I went and changed into my best clothing because I had a feeling something terrible was being plotted against me and I was right. Mr. President, Mrs. President, my dear friends, yes, this is one of the most pleasant dangers into which I have put myself. Thank you so much, all of you. Pendant passage li nan peyi a, Ole Soyinka gen pou rencontre ak journaliste, écrivain et puis comédien haïtien. N'a rappelé grand événement culturel ça qui pote nom rencontre d'ici et d'ailleurs ap déroulé en même temps nan 4 villes an dan peyi a, Okay, Port-au-Prince, Jacmel ak Cap Haïtien. Activité ça a commencé 15 pour finir 26 février Cap Vini là. Merci Sabine ak Naël pour reportage sous visite Ole Soyinka dans pays d'Haïti. Haïti apparaît pour recevoir 29e réunion chef l'État à gouvernement CARICOM 26 ak 27 février Cap Vini là. Dans le cadre de conférence spéciale jeudi mardi, le ministre des Affaires étrangères et culte, Antonio Rodrigue, qui était avec l'ambassadeur haïtien bon côté CARICOM, Peterson Noël, avec l'ambassadeur pays non Canada, Franz Lyoto, parlait sous ensemble préparatif. Rachel Saint-Fort a présenté nous un compte-rendu en suivant. Haïti déjà à Paris pour accueillir 29e réunion intercession conférence chef l'État à gouvernement pays CARICOM yo cap déroulé dans hôtel Marriott 26 à 27 février 2018 là d'après ministre affaires étrangères à Kiltla Antonio Rodrigue 14 délégations pays membres CARICOM a bien pour rentrer en Haïti dans occasion sans compter différents membres associés à l'autre pays cap présent comme observateur. Ministre Antonio Rodrigue était quoi activité ça a opportunité pour projeter bon image de pays d'Haïti. Chaque fois qu'on présidence d'un pays, y a une réunion fait. Donc il fait en février la première et en juillet la deuxième. Donc nous prenons la semaine prochaine à partir du 26 lundi et mardi, on a bien tout chef d'État et de gouvernement des pays de la CARICOM qui viennent en Haïti. Il y a 14 délégations membres de CARICOM plus 3 membres associés. Ça fait 17 cap là. Nous déjà confirmation de 10 chefs d'État et de gouvernement qui viennent. Gagné 4 lots, ces délégations sont au niveau de vice-président de ministre des Affaires étrangères, bon, après, il y en a deux qui ont un ambassadeur de CARICOM qui a venu. Donc, c'est déjà, nous avons une belle représentation, une réunion qui a fait avec des délégués de haut niveau. Gestion des astres, changement climatique, sécurité, Caraïbes, là, c'est parmi ensemble point participants qui ont abordé dans la conférence ça. 29e réunion intercession chef l'État à gouvernement CARICOM yo a occasion tout pour représentant pays cap la yo réfléchir sur problème y a confronté et puis chercher solution yo a gagné un cocktail de bienvenue cap fait dans dimanche que président de la République a offert à tous les délégués cap participer. Ensuite point important que n'a gagné c'est gestion des désastres. Nous connaissons ça pour nous Haïti, son point qui est important, parce que nous subissons en
pile désastres naturels, donc des tremblements de terre, mais surtout c'est des cyclones, des ouragans qui chaque année qui passaient une fois plus, une fois moins, mais nous subit tout problème ça chaque année. Et c'est pas nous mêmes seuls, les pays, les autres pays de la Caraïbe, c'est yon a problème tout que on gagne, yon assurance que yon bail, yon prend pour payer yon. Pays de la Caraïbe pour leur désastre passé pour y avoir une sorte de compensation. Assurance ça est très minime, nous pressons une question de 23-24 millions de dollars lors d'un désastre. Or, il y a des désastres qui ont fait des milliards de dollars. On prend le cas de le cyclone Matthew qui est passé tout zone sud-là. Nous avons des désastres qui sont évalués à 2,3-2,4 milliards de dollars. Et puis, au bout comme compensation, 24 millions de dollars. Donc, le président l'a plaidé pour que vous montez la prime assurance que vous bail pays Caraïbes, le grand désastre passé, pour que le bail là soit comme substantiel qui permet de faire un travail. CARICOM créé en 1973, Haïti intégré en 2002. Chaque 6 mois, un pays assuré présidence là. Depuis date 1er janvier 2018, c'est président pays Jovenel Moïse qui président CARICOM. Il remplace dans poste ça premier ministre Grenada Dr Kate Mitchell. Et puis assemblée députés ont adopté mardi 20 février un rapport commission intérêt à collectivité territoriale là sous projet 4 identification nationale unique là. Projet loi ça, exécutif l'ont est déposé non parlement, doit permettre tout citoyen identifié depuis naissance. Secrétaire rapporteur commission, député Baudelaire Noelson, qui tape li rapport commission intérêt à collectivité territoriale là, recommandé assemblée à yon vote favorable pour document si là. On suive. Le dit projet de loi, accompagné de son exposé, a été déposé par l'exécutif et transmis à la commission aux fins d'études. Une fois saisi, les membres de la commission intérieure et collectivité territoriale se sont réunis en vue d'adopter un calendrier et définir une méthodologie de travail. Dans ce cadre, la commission a rencontré les initiateurs du texte, a travaillé avec des spécialistes opérant dans le secteur et a fait une recension d'écrit. De ses recherches, il en ressort que, du point de vue de la forme, ce projet de loi vient combler un vide juridique trop longtemps existant, qu'il n'est pas contraire à la Constitution de 1987, amendée, aux normes internationales et aux lois en vigueur. De plus, l'adoption de ce projet de loi va permettre à l'État d'identifier ses citoyens à la naissance et attribuer une carte d'identification nationale unique qui répond aux normes de standardisation internationale. En conséquence, la Commission intérieure et collectivité territoriale déclare le texte recevable en la forme. Quant à l'analyse du fond, la Commission estime que le texte contient quelques imperfections liées à la logistique. Pour pallier à cet état de fait, certaines corrections ont été apportées en vue de son harmonisation. Et puis mardi 20 février, un responsable Stop Accident Yo remet prix personnalité sécurité routière pour mois janvier 2018 là, dans l'idée pour encourager personnalité dans l'institution qui impliquait activement dans combattre accident sous route en dans pays. Dans son sens, responsable commission certification, Dr Cassandre Milor, expliquait Stop Accident a continué travail sous campagne sensibilisation sous sécurité routière pour éviter moun perdu la vie n'importe qui gens. Personnalité sécurité routière mois janvier 2018 là, c'est Edzer Emile, les faits qu'on a, li important pour tout moun kon comment pour yo protéger tête yo parce que en pile route en dans pays a pas répondre à condition sécurité. On suit. Nous sommes tous des cadavres ambulants et nos routes sont nos cimetières. Dans une perspective de stopper l'accident bien avant qu'il nous stoppe, Stop Accident tire la sonnette.
Il tire la sonnette d'alarme, et vraiment d'alarme. La lutte contre les accidents des rues est une lutte pour la vie. Une lutte difficile. Ici, tout se fait par accident. Nous vivons et nous mourons par accident. Pour stopper les accidents dans les rues, Stop Accident se dresse au beau milieu du boulevard de la sensibilisation et de la conscientisation. De pas ferme, la machine de Stop Accident roule et roule encore jusqu'à porter les décideurs à fermer la vanne qui déverse le sang des passagers innocents sur terre d'Haïti. En général, les gens pensent que la violence fait l'instabilité, etc., etc. Mais il y a un autre aspect, c'est le coût de protection contre l'insécurité, justement. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a trop de violence, donc l'État est obligé de dépenser beaucoup trop d'argent à sécuriser les espaces et les gens qui pourraient être utilisés pour faire autre chose. Donc c'est presque 8% du PIB Amérique latine qui est utilisé pour protéger contre l'insécurité et la violence. Donc c'est la même chose. Cela veut dire qu'on perd de l'argent justement à réparer ou à indemniser ou encore à mettre dans une situation initiale, alors que si on faisait beaucoup plus de protection et de comportements beaucoup plus intelligents, et au niveau des acteurs, et au niveau de la population, on serait quand même dans une situation beaucoup plus intéressante et on gagnerait de l'argent et des vies aussi. Je n'ai même pas parlé du coût des pertes en vies humaines qui n'est même pas estimable dans une économie. Il y a des gens qui ont essayé de faire des estimations sur ça, mais écoute, perte des vies humaines, c'est quand même des coûts inestimables avec des impacts psychologiques, sociologiques, économiques aussi extrêmement importants. Donc encore une fois, je crois que c'est le moment plus que jamais pour qu'on attire l'attention beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de personnes qui soient conscientes de cette problématique, parce que, comme le docteur a dit tout à l'heure au début, on a l'impression qu'on marche sur les routes constituent des cimetières ou non. Donc, on doit faire en sorte justement d'avoir un comportement, mais aussi au niveau des gens qui dirigent, pour qu'ils comprennent la menace et le risque qui est associé à tous ces comportements d'irresponsables que nous affichons depuis longtemps. Nous t'ai parlé de ça dans grand titre tout. Commission intérêt à collectivité territoriale, Chambre députée, a invité ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin avec ministre planification Aviol Florent pour lundi 26 février dans Chambre députée pour discuter sous plusieurs dossiers. Parmi dossiers si là yo fonds communal yo problème corruption qui t'est gain dans ministère intérieur. Président commission, député Deus Deronet, expliqué l'important pour faire lumière sous ensemble point ça. On suit. Nous décider pour nous inviter ministre là, inviter pour nous parler avec elle, pour nous demander est-ce que vous comprenez et pour nous des explications. Nous avons trois dossiers là qui demandent pour nous bonne explication. Par exemple, et scandale corruption qui t'est gagné dans le ministère de l'Intérieur pendant au cours du mois de octobre 2017, nous toutes songe question faux chèque qui t'est gagné ou bien chèque qui dupliqué en dedans ministère de l'Intérieur et sous cause ça population pas gagné des explications qui assez spécifiques ou qui assez approfondies. Seulement ministre là il a interpellé quelques monde en dans institution, la justice était essayé font suivi après ça ouais ça a fini. Donc nous exiger qu'il y ait des explications. Nous exiger que dans le parlement que nous gagnions des informations qui fiables et population lui-même qui va des comptes là faut qu'il gagne des comptes. Donc je dis nous à vivre c'est comme si nous ouais gagne la question de la sécurité interne du pays lui échapper que à gouvernement qu'à la présidence. Question marché qui brûlait en cascade pendant semaines à yo qui passait yo capable de justifier. An gade, rende-moi fou ou sage, personne ne peut dire que yon point soudio que yon boss tap travail capable jodi a brûler au marché. Est-ce que point soudio ça étincelle di fait voler? Est-ce que c'est non pompe gasoline ni tombé et puis qu'on y a li tout explosé zone nan ou du moins? Donc nous tout konn wè les boss tap travail, nous tout nous pas technicien dans la matière, mais nous capables, l'on bosse à souder.
nous ouais c'est celle qui volait les ou même ou dit population oui mais telle raison qui cause incendie ça yo donc moi même il bail problème là on monte une commission interministérielle qui pral dit prend soin ti machin et ce matin encore m'a suivre que yo dit bon moun qui pa gen pièce nous t'a souhaité yo gen pièce tout moun tout machin qui estimé yo victime pour yo capable porter pièce venir et si tout moun décide la connait porter pièce pour dire yo té dans machin yo victime comment on va tracer yo qui j'en retracer yo comment on va comprendre donc me pense gagner yon liaison que t'a de gagner entre la gouvernance locale ça veut dire prend maire là qui gère question marché prend gouvernement de l'autre côté peut-être qui cap bien plus fond pour y alimenter question pour gagner yon conseil yon comité cap monter pour gérer question marché bouléa ensemble un comité interministériel à mon sens li capable permettre moun faire cob et puis problème di marchand yo rete même côté ya. Et puis, on a profité par les infrastructures ensemble avec député circonscription Anse Rougelon et Douanel Chéri qui exprimait satisfaction là, pour travail construction route Gonaïve Anse Rougelon qui doit lancer en 20 longtemps dans le cadre caravane changement pouvoir exécutif. Il y a l'autre bord parlementaire en fait qu'on a dit n'est pas à travail pour lancer un projet de l'eau dans la communauté Silla. On suit yon bout dans déclaration. Son bonne nouvelle pour moun nan commune Anse Rouge côté nan 100 km route président fait gouvernement excuse-moi pendant chaque année et Anse Rouge en deuxième position qui a bénéficié environ 52 km de Gonaïve Anse Rouge et en bonne nouvelle encore, nous toujours dit pour commune dans tout, c'est concernant l'eau potable côté et projet ça l'a marché à grand pas. Et une banque mondiale qui bail à travers d'INEPA 2.5 millions de dollars pour capable prendre l'eau sorti du carénage, monde qui connaît bien. En passant par Grand Carénage, Magasin Les Rois, Cabane Bœuf, première section en partie là-dedans, l'Arbre et en dedans, Ville Anse Rouge. Et n'a tout profité dit avec le directeur général d'INEPA. Je pense que dans la fin de mois, il faut nous faire activité. À commencer. Par exemple, forage gain pour le faire tout ça, faut commencer parce que toute dernière information que nous gagnons et on pense que directeur lui-même l'attendait et l'a suivi télévision dans minute ça, on pense que faut y commencer avec travaux ça qui est extrêmement important pour capable soulager monde qui vivent dans zone sous cité là. Et en plus de ça, et au niveau, pas oublier, nous connaissons un budget rectificatif effectivement qui était inséré en dans inséré les 3 millions de gouttes pour fonds communaux. Et nous avons tout dit avec Aviol et puis avec le ministre finance tantôt pour faire même bien que l'exercice là étant fini pour faire tout ça qui dépend de yo pour commune ça yo bénéficier fonds ça. Et c'est avec fond ça nous comprendre que élu locaux n'a parlé de Kazek, Azek magistrat, on pense qu'il pas capable faire grand chose mais il des petits bagailles il capable faire au niveau villa et dans section communale. Moment arrivé pour nous prendre deuxième pause nous dans journal ça arrêté branché n'a retourné tout de suite. Merci parce que nous toujours été branchés information sous TNH. Deuxième tranche a démarré pour nous faire connaître. Conseil municipal Croix des Bouquets lancé travail réhabilitation cimetière Croix des Bouquets à construction tronçon route qui mène Duval 22. D'après responsable, travail Silayo pral démarrer non jour cap vini la yo. Richard Son Jourdan avec Michel Joseph pour un reportage. Cimetière Croix des Bouquets a trouvé dans un mauvais état. Côté en série, moun kap viv nan commune nan
prend plaisir faire espace ça tourner un dépôt fatra en dedans à Kalantoulé. Pour résoudre problème ça, autorité communale yo engagé firme construction Engenco pour faire réhabilitation dans cimetière. Travail ça yo cap durer 3 mois doit démarrer pendant semaine ça d'après magistrat Aoun Colin ak président firme construction Engenco Francilis Innocent. Initiative ça visé bay commune là un autre visage. Tout le monde qui vit dans la commune Croix des Bouquets constate côté cimetière Croix des Bouquets fait tourner un site de décharge. Malgré toute intervention nous même la cartel mairie Croix des Bouquets nous fait pour nous capable ouais comment nous capable éliminer fatra côté mélanger mort ensemble avec fatra et nous connaît peuple haïtien comment yo sensible pour mort. C'est le sens ça qui fait nous même nous te vinn motiver nous dit n'a clôturer cimetière et puis n'a font chapelle en mi-temps pour nous capable ouais comment nous capable éliminer site de décharge ça côté tout monde en dans centre-ville là des fois yo vinn mettre fatra gien de monde tout qui pas en dedans commune Croix des Bouquets qui vient vider fatra en dedans cimetière Croix des Bouquets. Jean nous est cimetière là nous est sous cimetière qui pas vraiment aménagé mais autorité compétente yo ouais ça yo va créer des places. Nous une fois préparatif sur fin fait mobilisation fin fait nous va aller dans fondation fouille et puis pour nous faire clôture. Nous gain 830 mètres linéaires de clôture pour nous faire. Dans l'occasion yo tap annoncé lancement travail ça yo magistrat Nicolas t'a profité rendre dans Duval 22 pour lancer tout travail construction 300 route Duval 22 qui débouché sous Kafoumaasa numéro 1 commune là quoi travail ça pour al contribuer dans diminuer blocus dans zone là même nous vinn lancer et route ça que la mairie a construit ses services génie municipal là qui pral construire route ça qui pral aider avec blocus qui existait en dans Kafoumaasa qui a débouché sous 125 là mais c'est une route cap sensinique lié comme si on route deux voies. L'on sort sous tabac 25, côté l'on sort sous tabac, ou pas pris de chance pour vivre sous Kafoumaasa, ou ap mec viré là pour aller tomber sous Duval 22A. Ça a aidé les machines qui ont sorti quoi des bouquets, même à passer dans la 25 là, qui c'est Duval là. Et nous avons route nous allons faire encore, côté nous faire place publique là, nous sommes lancés sous commissariat, côté machine qui ont sorti dans Santo, après main droite pour la tabac, ça a aidé nous finir avec blocus qui est dans Kafoumaasa et tout le monde connaît. Blocus Kafoumaasa a été représenté en source d'insécurité pour la population chrétienne et surtout les gens qui passent dans la commune en transit. 8 millions de gouttes, c'est quantité l'argent de projet ça a coûté. 7 millions pour réhabiliter le cimetière Croix des Bouquets et puis 1 million pour bétonner route du Val 22. C'est avec propre fonds mairie travail ça a réalisé. Merci Richardson et Michaud. N'abra poursuivre pour nous faire nous connaître écrivain anthropo-sociologue Belita Bayard présenté mardi 20 février à nouveau livre li qui baptisé Gestion documentaire et des archives à l'heure de la modernisation de l'administration publique. Cérémonie en déroulé dans le local centre recherche et documentation Credoc qui n'en Delma 48. Falando Delphin avec Hervé Pierre t'a fait déplacement et abdi nous plus dans un reportage. Sorti sous la belle presse nationale Grand Monde avec préface ingénieur Samuel Pierre, livre ça c'est un rapport forum gestion documentaire du gouvernement qui t'a fait sous direction primature dans l'année 2013. Livre ça qui porte nom gestion documentaire et des archives à l'heure de la modernisation de l'administration publique. Sorti suite à constat ou te a fait sous situation difficile pour gérer documents à archivio après passage tremblement de terre de janvier 2010 là. Situation très difficile pour un monde qui a géré documents avec archives en Haïti. C'est résultat ça c'est que dans l'enquête nous fait participants parler et participants dit problème tout et nous te profité font plaidoyer pour moun ki ap travay nan domen sa, le moun yo ap travay nan domen sa, yo pa très bien regardé. Et c'est des intellectuels qui de haut niveau, des universitaires qui travay nan domen sa, sauf que lè ou rive nan domen sa, il fait comme si yo jete yo comme des oubliés de l'administration publique. Donc c'est pour ça tout nous te fait à l'intérieur en même temps nous te fait enquête là pour nous te ouais situation archive là en Haïti, mais nous te tout profiter tant des crimes moun sa yo qui a géré archives et documents en Haïti comment yo gardé très mal par rapport à l'autre administration.
Belita Bayer propose l'État à travers l'IPSA pour créer cité archivio et puis gérer Mounio pour permettre une plus bonne gestion de documents et archives dans le pays. N'a profité par l'éducation pour collier hein, pour nous faire connaître d'après études qui menent sous résultat examen officiel 10 dernières années, qualité enseignement a baissé chaque jour plus en dans pays. D'après constat yo, fort élèves yo toujours gain problème apprentissage. Professeur Rojda Dorsil expliquait ces problèmes langue qui gagnent dans enseignement dans l'école yo qui la cause échec scolaire dans pays. John Herbie Casseus ak Jordani Beauville a dit nous plus sur ça dans reportage ça. L'utilisation français comme langue apprentissage dans sa classe, c'est un facteur qui la cause en pile timoun pa ka réussi l'école selon linguiste Roger Dador Cédorcil. D'après linguiste, le problème système éducatif haïtien chita dans une stratégie qui utilisé pour enseigner timoun yo. Professeur a fait connait majorité timoun dans pays a parlé créole seulement. Selon lui, une difficulté pour apprendre la langue française. Puis bon moyen pour mon apprendre action sur environnement, action sur réalité, action sur monde qui environne là, c'est à travers langue maternelle. Malheureusement, en Haïti, nous gagnons un bagage qui fait à double vitesse parce que nous gagnons un peuple qui gagne langue maternelle, c'est créole. Et puis il se trouve que enseignement, il y a les là prend contact avec l'autre qualité connaissance, ça pas fait dans la langue parle là. Qui donc ou vin gagner yon sa m'ta qualifié tant qu'on retard. Gon gros retard vin fait parce que ti moun nan l'elle entre l'école, ah ben li gon on double travail li pral fait parce que le pral prend qu'on y a contact avec connaissance pendant ça te connaît langue qui te bal première connaissance avec monde là, premier contact avec monde là, li yo vin fait oublier soit et créole là. Les timon a commencé à apprendre en français dans l'école Jean Ophel là. Mais ça vient faire, li pral c'est traduit, li pral essayer traduit. Li pa ka exprimer de sa m'ta rele en français, c'est-à-dire avec spontanéité. Li pas li pas li même encore. Pour résoudre problème ça, faut que l'État ici encourager plus monde écrire en créole, faut que reproduire manuel instruction dans l'anglais lang, et puis faciliter pour ces jeunes plus formation sur langue créole là. C'est d'abord travailler pour éliminer perception négative, deuxièmement la pas former monde qui pour enseigner langue là. Pas laguer enseignement langue créole dans mes amateurs, dans mes monde qui en écrivait parce que le capable lit créole depuis lit créole et puis les doux lycée professeur créole en Haïti. Et puis travail troisièmement c'est produit matériel parce que les timon en fin apprendre lit, faut gagne bagaille pour lit. Pas forcément timon, on monde qui apprend lit. Sou pas gagne bagaille pour développer connaissance ou dans lit. En ben c'est comme si on dans son musée on pièce ou pour la gagne dans musée et puis t'aller comme ça et pièce là qui doit pousser qui doit couvrir pièce là net. Donc faut que nous gagnions monde qui produit sous toute qualité et domaine dans connaissance là, produit sous toute qualité bagaille qui concernait environnement. Selon professeur Roger Dorsil, c'est volonté qui manquait bon côté en série intellectuelle qui la cause éducation a fait bac dans pays là. Ancien doyen faculté linguistique là encourager tout acte qui dans système là mettez tête ensemble pour changer réalité là. Merci John Herbie avec Jordani. Et puis Radio Lumière fêtait 59e anniversaire jeudi mardi 20 février. Napsi men en bonté et n'a prêté 100% positif. C'est sous thème ça et a célébré 59e l'année existence Radio Lumière d'après directeur général institution SILA qui c'est pasteur Varnel Jeune. Anne-Marguerite Auguste ak Hervé Pierre t'es sous place en suive. 20 février 1959 dans cité Lumière dans Okaï, Radio Lumière le met émetteur li pour première fois. Directeur général Radio Lumière, pasteur Vanel Jeune, expliquait que c'est pasteur David Hart, responsable de l'église baptiste d'Haïti dans l'époque ça, et un spécialiste dans la communication qui te prend décision de créer Radio dans l'idée pour faciliter l'évangile l'arrivée dans les oreilles monde, tout côté dans le pays. C'est après plusieurs années d'expérience qui portait bon résultat, dirigeant Radio Yo vient prendre décision dans l'année 1964. Pour mettre radio à n'importe où prince tout. Toujours dans souci pour Média ça qui a vocation évangéliser, continuer faire parole bon Dieu arriver plus loin. Pasteur a senti que
l'évangile a trois coincé dans 4000 églises. Il te dit faut aller plus loin que les églises. Donc ça veut dire Radio Lumière c'est dans ce sens ça pour accompagner l'église, pour l'église yo capable aller plus loin encore, pour voir prédicateur aller plus loin et en quelque sorte pour l'évangile là aller plus loin. Donc c'est dans objectif ça que pasteur David Hart il était créé Radio Lumière. Et pas oublier Radio Lumière nous dit le fondé sur Jésus-Christ. Et sur le roi des rois, sur le bon Dieu, et nous connaissons bon Dieu, il a tout pouvoir, il est tout puissant, il a fait des choses parfois extraordinaires que nous-mêmes pas même attendre. Fonctionnement Radio Lumière dépend de contributions fidèles l'Église, puisque Média ça n'a pas gain aucune source financière dans l'autre secteur, d'après le directeur général Radio Lumière. Lui expliquer les situations en paraît difficile, responsable l'Église, qu'on mettait d'accord pour organiser lever fonds pour permettre Radio à continuer à exister. Nous, Radio Lumière, nous faisons budget par la foi. Parce que nous n'avons aucune, comme nous dit, une source stable, une source officielle de revenus. C'est frères et sœurs, l'église, compagnons de ministère, tout, alors soit pas de philosophie, donc des stratégies nous mettons sur pied, telles que le club des prêteurs à l'éternel. Mais tout ça, c'est à travers les églises nous faisons. Et surtout, après, par exemple, et fête ça, anniversaire Radio Lumière, nous faisons. Mais tourner tout, on sort de fonds de raising, on levé de fonds pour capable aider nous avec le budget Radio Lumière là, qui ont un budget assez large parce qu'on connaît nous la radio, nous connaissons pas facile radio, c'est des mangeurs, et c'est des très budgétivores. Nous vivons par la foi, nous vivons des dons de nos frères ici à l'étranger, ils ont fait des transferts pour nous. Et puis, bon, nous sensibilisons dans ce sens-là, parce que nous disons travail bon Dieu, c'est le peuple bon Dieu qui est capable, qui doit faire le marché. Bon, c'est dans ce sens-là. Programmation Radio Lumière, c'est un point fort résistance radio, d'après dirigeant yo. 59 ans après, programmation radio a pas changé. Seulement quelques adaptations par rapport à l'évolution moment. Pasteur Vanel Jeune fait qu'on est, malgré l'évolution politique là dans le pays, il n'y a pas quitté l'influence politique là dominée dans aucun sens, média évangélisation. Il y a seulement qu'on prend responsabilité, fait une série d'émissions sur instruction civique et morale, il y a qu'on est cap utile population, surtout dans la période élection. Directeur général Radio Lumière a remontré volonté pour média évangélisation, kembe place li et puis continuer fait parole l'évangile l'arrivée plus loin. Merci Anne-Marguerite ak Hervé et puis n'a profité souhaiter bonne fête à toute staff équipe Radio Lumière là, n'a souhaité au succès et puis longévité. N'a pas poursuivre avec directeur général Agence nationale protégée, Jean-Tel Joseph, qui présentait bilan diverses opérations brigade sécurité air protégée menée dans Mon Cabrit à l'autre zone en dans pays à notre tête collée avec la police nationale. Dans le cas d'opération Sayo, il y a 12 personnes qui arrêtées et puis plusieurs matériels saisis. On suit un extrait. Avec la création de la NAP, la transformation de la NAP en direction générale, et par décision du ministre, et corps de surveillance dans les transférés en dans à NAP et les brigades de sécurité des aires protégées. Donc, nous là, pour nous accompagner le ministère dans toutes les dispositions qu'il prend. D'ailleurs, Mon Cabri, jusqu'à date, nous travaillons pour nous déclarer nos aires protégées. L'IPOCO ont air protégé. Mais le 15 janvier, le ministère de l'Environnement lui prend une décision, lui demande pour la brigade de sécurité des aires protégées à prendre Mon Cabri en charge. Et de fait, c'est ça que nous faisons. Donc, nous intervenons dans plusieurs côtés. Nous la boule, côté nous fermer et carrière, côté nous avons exploité la boule. Nous avons suivi dernièrement, nous tenons une campagne de reboisement. Côté corps de brigade de sécurité des aires protégées, nous télé organes, côté nous mettons en terre 7000 plantines. Mardi gras, nous témoins l'hôpital, côté nous mettons encore en terre 7000 plantines. Et corps de surveillance en bas de l'évolution, pendant que, sous direction président de la République, le ministère de l'Environnement a ouvert le centre de germoplasme, eh bien, élément qui fait partie brigade de sécurité des aires protégées, nous va être nous on l'autre mission pour nous planter pieds bois. Non, on visite nous d'aller faire après une réunion que nous avons fait
ici avec tout exploitant. Nous avons visité 17 sites côté à exploiter. Mais dans 17 côté nous avons joint à exploiter, nous n'avons pas gagné plus que 5 qui ont gagné autorisation du ministère du bureau des mines, qui ont gagné non objection du ministère de l'environnement et qui ont gagné entrée des liens du BESA. Pas de gagné bagaille comme ça, nous avons gagné seulement environ 5. Moment arrivé pour nous prendre une dernière pause, nous dans le journal ça, nous avons tout de suite rester branché. Nous retournons pour nous continuer à informer. Nous, j'en te dis, dans Grand Titio Tout, directeur Oxfam pour Amérique latine et Caraïbes, l'a présenté lundi 19 février. Excuse-li, by ministre planification à coopération externe, l'an, à Viol Florent. Directeur Oxfam pour International Lan, Winnie Bianima, avec directeur Oxfam pour Grande-Bretagne Lan, Mark Goldring, doit rencontrer autorité haïtienne yo sous question scandale sexuel dans le pays. On suit. Directeur régional Oxfam pour Amérique latine et Caraïbes la, présenté excuse-li avec ministre planification et coopération externe Lan, Aviol Florent, lundi 19 février 2018 la. Directeur Oxfam pour International la Winnie Miaima ak pour Grande-Bretagne la Mark Goldrin de rencontrer autorité haïtien yo. Mark Goldrin a gagné pour ba explication sous scandale ça devant une commission parlementaire britannique dans ville Londres mardi 20 février 2018 la. Premier ministre britannique la Theresa May bon côté pal jugé situation ça terrible. Organisation reproché tête li pour tête quitté plusieurs salariés qui impliqué dans genre de scandale ça yo intégré l'autre organisation sans ba yon pinga. L'autre raison encore, première série révélation sur agissement employé Oxfam dans le pays d'Haïti entraîné l'autre tant qu'habi qui fait dans le pays Soudan avec Libéria. Merci Betty. Toujours dans l'actualité en sous plan international, régime syrien continue mardi 20 février avec série bombardement lio dans base rebelle. Série bombardement sa yo sous troisième jour côté régime syrien bombardé Ghouta Oriental, yon zone qui gagne 400 000 civils en otage. Plusieurs familles perdu la vie en bas des combes à cause bombardement si la yo. Environ 200 moun déjà perdu la vie et puis l'hôpital yo pa ka kembe moun encore. ONU annoncé jodi a gen 6 l'hôpital dans Ghouta Oriental qui bombardé tout. N'a rappelé Ghouta Oriental c'est une ancienne zone agricole qui sous contrôle rebelle yo. N'a pas retourné la caillou ensemble avec représentant police nationale d'Haïti en appelant inspecteur divisionnaire Bob Alexis avec directeur brigade air protégé Michaud Saint-Fleur qui renouvelait engagement yo pour bataille contre tout le monde qui a exploité mon cabrit avec zone voisinante qui gagne arrêté qui interdit pour faire ça. On suit. La police fait l'accompagnement des brigades de sécurité air protégé. Nous sommes intervenus sous mon cabri le 20 suite à notre interdiction qui était sortie pour exploitation anarchique de carrière sable. Le 20, nous avons intervenu, nous avons fait 4 arrestations. Que 4 personnes ont été arrêtées, hein, ensemble avec des matériels, nous avons remis à la justice. Le 24 janvier, encore, nous faisons l'autre intervention. Nous avons arrêté 3 personnes sous cap exploité malgré que notre plante est sortie. Nous faisons même procédure, nous remettons à la justice. Le 26, nous faisons une autre intervention encore. Nous déployons 2 personnes sous lieu. Après que nous finissons ce rapport nécessaire, nous remettons à la justice. Le 2, le 1er février, nous interpellons 6 personnes. Nous déployons une quantité de matériel. Par exemple, là, nous arrivons sous lieu, il y a des pelles excavatrices, il y a un gros engin que il y a des techniciens qui sont capables de descendre avec nous. Nous sommes obligés de prendre batterie et nous avons au nombre de 6 batteries, nous remettre batterie à la justice pour les suites nécessaires. C'est que dans toute
intervention que nous fait, que ce soit à Monacabri, que ce soit à mon hôpital Jalousie, à Canapé Vert, à Léogane. En fait, population, bon nous support, en fait, compte total. En fait, il y a des jeunes même qui, à cause de ça, qui viennent presque chaque jour à venir dans le bureau, à demander d'intégrer en fait ces brigades de sécurité. Et nous avons en fait, des éléments qui, à cause de ça, ont exploité en fait, bonne intention en fait, des jeunes qui ont pris ce travail qui ont besoin. Ou bien qui est animé de désir pour servir le pays, en fait, qui t'a voulu vraiment intégrer en fait cette brigade de sécurité et à protéger. En fait, nous sommes très contents. Et dans la mesure que nous prenons pour restructurer ce service-là, nous avons besoin en pile dans nous. Président République Lan Jovenel Moïse recevoir jeudi mardi à nan Palais National prix Nobel littérature en nigérian Wole Soyinka auteur a visité pays d'Haïti actuellement dans cadre activité culturelle qui pote nom rencontre d'ici et d'ailleurs. Haïti apparaît pour recevoir 29e réunion chef l'État gouvernement CARICOM 26 à 27 février cap vini la. D'après ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigues, préparatif yo avancé. Assemblée députée adopté jeudi à rapport commission intérêt à collectivité territoriale lance sous projet 4 identification nationale unique lan. Projet loi ça doit permettre citoyens identifier depilè li fin fête. Commission intérieure à collectivité territoriale Chambre députée en doit chita parler lundi 26 février avec ministre intérieur Max Rudolph Saint-Albin et puis ministre planification Aviol Florent. Dossier fonds communal yo, problème corruption qui te gagne dans ministère intérieur, c'est principal sujet qui doit discuter dans rencontre ça. Et puis, directeur Oxfam pour Amérique latine et Caraïbes Blanc, présenté lundi 19 février, excuse-li by ministre planification à coopération externe à Aviol Florent pour scandale sexuel qui était impliqué directeur organisation SILA dans le pays d'Haïti. C'est la journal Lambout, amis téléspectateurs. Merci ou même qui tape suivre journal ça. N'a pas cassé rendez-vous demain si Dieu veut. En attendant, n'a pas souhaité nous une très bonne soirée sur télévision nationale d'Haïti. N'a pas invité nous rester branchés. Au revoir.